Salut tout le monde, c'est Dark Boreal, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Rainbow Six Siege en compagnie de mon très cher ami Irox. Bon. Ah ouais, là ça va être bien là. Ah vite, on commence par défense, allez. Défense. Oh ouais, nickel. C'est bon. Bah moi je vais prendre une minute. Hein. Bon bah, alors à tous ceux qui vont découvrir le jeu et ne connaissent pas le jeu. Au début, bah, comme dans Call of, hein, on choisit son personnage et ses armes et ses équipements, tout ça, bref. Après cette phase-là, on a une phase de pas, comment on peut appeler ça? Ouais, de préparation de baraquement, où on se barricade, on crée des pièges, tout ça. Et après, après c'est la phase d'action et de défense, selon le camp qu'on est, donc en l'occurrence maintenant le camp de défense. Donc on va devoir défendre un conteneur radioactif. Donc en gros ce serait comme de la domination quoi. Sauf qu'il n'y en a qu'un. Barricader la salle. Il faut protéger le conteneur radioactif. Je ne sais pas où barricader. Putain, j'ai été repéré direct déjà. Je sais pas où barricader en fait. Hop fort à localiser le conteneur radioactif. Je pense qu'ils vont rentrer par là, mec. C'est trop grand en fait, c'est ça le problème. Plus que 10 secondes. Mur fortifié. Il reste 5 secondes. Cloison renforcée. Protégez le conteneur radioactif à tout prix. Bien ça. Joiement de brouillard. Quoi, j'ai trop bugué. J'ai bugué, mec. C'est trop là. Ouais, bah attends, je vais t'aider, toi, parce que j'ai l'impression que tu vas te faire bien s'automiser si tu restes là. Voilà. Bon, par contre, j'espère. T'es où ça? T'es où? T'es en haut? T'es à la fenêtre? Attends, Seb, je te couvre, t'inquiète. What, ça me pète à la gueule déjà. Ils sont où? On a ce mec qui tire dans le mur au calme. Comment on envoie une flash? Recule, j'ai pas envie de te tirer dessus moi. Je sais pas où il a fait son trou là, putain. Ah, en haut là. En haut, là. Protégez le conteneur radioactif. Sécurisation du conteneur radioactif en pause. Éliminez les ennemis. Dernier agent. Dommage. Dommage. D'accord. Mais ils sont battus, ils le font exprès. Ils savent qu'il va passer par le garage, mais. Vous restez dans cette zone, l'ennemi vous repérera. Ah. Après, non, c'était bien joué, je trouve. Bon, bah, ça commence plutôt bien. Hein. C'est dommage, la dernière partie, la full team là. T'as été vraiment belle la dernière. Je pense que je vais prendre Thermite. Bon bah là on est en phase d'attaque, donc on va avoir 50 secondes je crois pour repérer l'objectif et élaborer un petit plan. Et puis ensuite ce sera la phase d'attaque, donc mon cher coéquipier Irox qui a pris son compte Connard Noah a pris le joueur Blitz, donc
un bouclier avec un flash intégré dessus, donc très utile pour attaquer les ennemis de face. Et quant à moi, j'ai pris Termite, donc un joueur normal, sauf qu'il peut casser les murs qui sont barricadés de métal, donc c'est le seul à pouvoir faire ça. Ils sont en haut, je crois, non? J'ai trop, ouais, ils sont en haut, à gauche, là où je veux qu'ils soient. 5 secondes avant insertion. Bien joué. Le conteneur radioactif a été localisé. Ah punaise. Seb, je sais pas où passer. Tu sais, dans la salle de bain là, ils ont pas barricadé. Non non, mais Seb, je pense qu'ils ont. Bah vas-y, monte de loin. Voilà, c'est lui là. Bah je sais pas, tu peux. Ah putain, merde, je me suis loupé. Oh. Ouais, je l'ai vu. Je pense que j'ai rentré par là-haut là. Bon, toi tu peux ouvrir parce que moi j'ai que de la grosse ouverture. Vas-y. Je fais péter. Putain, il était là, j'ai trop fait bourrin. Putain, j'aurais dû attendre, il m'attendait. Reprenez la sécurité. J'aurais dû casser le mur à côté. La menace enrayée. Arrêtez de sécuriser la pièce. Ah, c'était bien joué par lui. Hein. Bon bah Fuse, ah punaise, il repart. Ah, bien joué. C'est bien joué là. Mission accomplie pour nous. Un petit danse sur le mur. Ouais, j'espère juste qu'ils vont pas remonter, c'est tout. Et qu'on aura une bonne position. J'espère qu'on aura pas le bureau du consul, sinon. Oh punaise, on est 4 contre 5. C'est mauvais, c'est mauvais. Ouais, bah. Vive le SAS, quoi. Net. C'est les meilleurs. Bon, c'est bizarre leur ceinture là. On dirait des presse moules, moule bit. Déjà vous là. Net. Sécuriser la salle. Ah punaise, on est même. Bon. Cool et en même temps pas cool. Voilà, voilà. Je vais vous expliquer. L'avantage de Mute, c'est qu'il peut déployer des brouilleurs. Et ces brouilleurs empêchent que les ennemis puissent, par exemple, casser les murs que je suis en train de mettre. Là, car je brouille leur signal en fait. Tout simplement. Voilà, c'est tout bête, mais c'est très utile. Personne passe par ici de toute façon. Il reste 10 secondes. Brouilleur activé. Encore 5 secondes. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé un brouilleur aux fenêtres. Mais je suis pas sûr qu'il puisse faire les deux côtés. Du conteneur radioactif inconnu. Je vais en faire que une, tu vois, je vais mettre. Oui, voilà, j'ai pris un peu d'avance car ça me saoulait trop. J'avais que des parties de merde et fallait que je monte un petit peu mon niveau et j'avais pas trop le temps. Ouais, moi aussi. Je m'éclate. Ça ressemble à rien. Rien.
Vas-y, vas-y, fais péter. Putain, le C4 qui se fout sur ma gueule. T'approche pas de la fenêtre, il y a C4. T'approche pas de la fenêtre, je te dis. Attends, je vais péter le C4. Net. J'entends le rappel, cause j'entends le rappel. Il y en a un qui est rentré en rappel, ouais. J'ai l'impression que ça va rentrer par là. Non, là-bas. Attends, ça se trouve, c'est une diversion. Attends. Fais gaffe, lance un smoke. Ouais, moi aussi, fais gaffe à gauche, à gauche, à gauche. Ah, je t'ai tué, mais j'ai pas tiré, je suis trop con. Fais gaffe à gauche, je te dis, mec. Putain, j'ai un TD, ils sont plus que deux. J'arrive, j'arrive. Il est où? Déploiement du capteur. Dernier agent, hop fort. Je vais réparer ça. Oh, j'ai eu trop peur. Mais j'ai cru qu'il était là en fait. Bon, on a gagné. 3-0, c'est ça qu'on aime. Wow, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est stylé. Hein. Bon, bah voilà, hein, c'était une petite vidéo en victoire parfaite pour la première sur Rainbow Six en compagnie de mon collaborateur Aerox. C'était plutôt pas mal. Donc, à tous ceux qui regarderont la vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime et à partager, et surtout partager la vidéo. Donc tata tout le monde.